CPRP, coordination de presse et des relations publiques. Continuer route, renforcement de la police, ça, pour que nous gagnions une force police robuste qui a répondu à toute menace que le pays a gagné pour ne pas obliger de temps en temps à appeler au secours de la communauté internationale. Il me revient en ce jour, en ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, d'introduire le Premier ministre, président du Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, en vue de procéder à l'installation du nouveau directeur général de la PNH, à la personne de l'inspecteur général Rameau Normil. Je prends l'engagement de vous dire aujourd'hui, ce matin, qu'alors que la police nationale a un rôle clé à jouer dans la question de la sécurité, elle ne peut être et elle ne sera exclusivement la responsabilité de la police nationale. C'est une responsabilité collective que nous assumons avec vous depuis le début jusqu'à la fin. Monsieur le directeur général, vous aurez la lourde tâche de travailler à rétablir un climat de confiance dans l'esprit de la population. Le pays a désormais les yeux rivés sur nous, monsieur le directeur général. Il attend que par vos actions, vous lui donnez une raison d'espérer que la vie sera meilleure. Des appréciations pour votre parcours au sein de la PNH, surtout au niveau de la DCPJ, font écho dans tout le pays. Nous comptons sur vous pour que notre Haïti chérie reprenne goût à la vie, pour que le pays puisse être ouvert aux investissements, pour que la population puisse vaquer paisiblement à ses activités, pour que les mères et pères de famille qui souffrent pendant longtemps puissent vaquer à leurs occupations pour pouvoir nourrir leurs enfants. J'ai bien appris du passé et je suis bien conscient de l'exceptionnalité des conditions actuelles. Il s'agit de redonner le plus précieux espoir à toute une population, celui de recommencer à vivre en toute tranquillité et que le pays puisse redevenir partout, dans ses moindres recoins, un territoire vivable. La force de la loi réduira en silence l'arrogance et la terreur des gangs armés et criminels. Ils seront neutralisés et démantelés. J'adresse mes remerciements à l'excellence, le président du Conseil présidentiel, et les membres du Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre, Dr. Gary Conille,
pour la confiance placée en moi. Je ferai en sorte de ne jamais la démériter pendant ma mission. L'orientation et les objectifs qui me sont prescrits pour le rétablissement de l'ordre public, de la sécurité publique, seront ma principale boussole. Nous connaissons et puis nous conscients dans qui trahit population est. C'est plusieurs milliers de monde bandits criminels assassinés. C'est dividales femmes actives filles qui violaient. C'est plusieurs dizaines de milliers de monde qui quittaient Kayo, qui décapitalisaient. C'est économie pays, paysans qui fin de pas fini. C'est l'école, l'hôpital, l'université qui démantelé ou bien qui pas qu'à fonctionner. L'isla Kalong, nous accepter retourner. La responsabilité, nous pas qu'à dire, nous pas te connaître. Nous connaît tout le temps, c'est pour action. Nous pas gagné ni pour nous traîner pied, ni pour nous trop presser. La police et la population doivent seul pour mener combat. Et c'est ensemble, n'a pas porté la victoire. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, l'installation de nouveau directeur général AI vise à apporter un nouveau souffle à la police nationale d'Haïti afin d'assurer la sécurité de la population de la capitale et de certaines villes de province contraintes par les bandits armés d'abandonner leurs maisons, leurs habitations, leurs communautés et de ramener la tranquillité dans les rues et les esprits. Monsieur le commandant-chef de la PNH, diriger, c'est faire marcher les hommes et les femmes derrière soi dans la bonne direction. Pour y arriver, vous devez utiliser la souplesse et la fermeté suivant les circonstances. Savoir écouter, déléguer, faire preuve d'empathie, développer la capacité de travailler en équipe sont des qualités indispensables pour tout meneur de femmes et d'hommes qui veut réussir. CPRP, coordination de presse et des relations publiques de la Police nationale d'Haïti.